Alors, la procédure pour mettre à jour le firmware dans l'autoradio, elle est assez simple. Déjà, dans un premier temps, donc il faut travailler autoradio éteint. Vous allez retirer la micro SD qui contient la carte GPS, qui nous dans notre cas se trouve ici. Et en fait, sur une autre micro SD qui est vierge, vous allez mettre les fichiers pour mettre à jour le logiciel. Vous allez insérer la carte dans l'autoradio, comme ceci. Alors, il faut toujours que l'autoradio soit éteint. Et à partir du moment où vous mettrez le contact, alors moi je vais le brancher, la mise à jour va se faire automatiquement. Comme ceci. Donc là, la mise à jour est faite. Il vous dit pull out SD card, c'est-à-dire retirer la carte SD et redémarrer. Donc là, on va suivre ces indications. On va retirer, si j'y arrive, la micro SD. Et puis vous, en fait, vous allez retirer le contact pour que l'autoradio s'éteigne. Vous allez laisser une quinzaine de secondes et quand vous remettrez le contact, il sera revenu d'origine, c'est-à-dire que vous aurez perdu tous vos réglages et la mise à jour sera effectuée.